Éric Lavoie, Pro Staff de la compagnie Buck Hunter. Aujourd'hui, on va faire une micro-saline avec les produits pour le kit de saline pour enfants. Moi, j'ai trois garçons, puis la relève, pour moi, c'est bien important. Puis je vous encourage tout le monde à amener vos enfants dans le bois, à faire profiter du beau sport qu'on fait, à leur montrer, puis à leur expliquer les bonnes raisons. Les raisons de faire des salines, c'est important pour le gibier, pour leur santé. Fait que moi, j'amène mes enfants, puis aujourd'hui, avec Lucas, on va faire une saline, une petite saline. Fait que Lucas, c'est pourquoi qu'on fait une saline? Parce que pour les mamans, il faut que le lait soit bon, que les os soient bien, et là, aussi, il faut que les panaches soient bien. Les panaches? Ils sont où, les panaches? Oui, mais ben c'est où? Ils sont hauts. Oui, mais c'est qu'ils soient gros, les panaches. Oui, c'est pour faire des gros panaches. Fait que là, on va regarder voir qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte. Fait qu'on va ouvrir ta boîte. On va commencer. On rouvre la boîte. Et la boîte, on l'avait ouverte pour regarder un peu. C'est quoi qu'il y a? C'est quoi cette poudre-là? Est-ce que tu sais c'est quoi? Ça ouais. S'appelle du Trophimix cocaine. Ça, c'est un attracteur pour les gibiers. OK? Ça, c'est quoi, ça? C'est de l'eau. Ou de l'urine, je pense que c'est de l'urine? Oui, c'est de l'urine. On va regarder, on va l'ouvrir. Ça, c'est quoi? Ça, c'est de la jam. C'est de la jam? Oui, ça, c'est de la jam recette spéciale. Puis regarde dedans, voir ce que c'est qu'il y a. Ça, c'est... On monte à la caméra, on monte plus. Ça, c'est du sel aux algues. C'est un sel qui est propre à nous autres chez Buck Hunter. C'est Véronique qui l'a développé. C'est un sel qui est très, très bon pour le gibier. OK? Fait que là, on va commencer par quoi? Sais-tu comment? On va commencer par... On va regarder qu'est-ce qu'il y a dans nos bouteilles. Le Trophimix. OK? Ça, c'est de la jam. Attends un peu. Ça, c'est quoi, ça? Ça, c'est du box slash. Ça, c'est pour attirer notre gibier. Le box slash, on le vaporise, mais on peut... C'est de l'eau. Je pense. Moi, je pense pas que c'est de l'eau, moi. Ben non! C'est quoi? C'est de la jam, ça. C'est la recette spéciale. OK? Fait que là, il faut quand. Attends. On sait pas de rien. OK, fait qu'on va commencer par verser ça. C'est moi qui fais ça. Okay. Tu vas le verser partout. Là, on va s'assurer qu'on va en mettre un petit peu. On va mettre un petit peu de box slash pour que ça soit humide. Comme ça, ça va couler comme il faut. Ça va, c'est bon. On va en verser un peu partout à l'entour. OK. On va verser un peu. OK, c'est bon. Puis là, on n'en a pas mis. C'est pas grave. On va en mettre. Vas-y, je te laisse faire. Bien, OK, c'est bon, c'est bon. C'est tout. On va en garder un petit peu. Pense? Ben ouais. Ben, on pourra la mettre. Bien, garde. On va en mettre là. Là, maintenant, tu vas verser ta poudre. Ouais. Ben là, je l'ai ouvert, OK? Ouais. Fait que là, tu vas verser ça tranquillement. Okay. Ça sent bon, garde. Ouais. Là, tu vas en verser partout sur ta souche. Oh, oui, ça fait des boucanes. Mais en haut. En haut. OK, OK. Mais les garder sur ta souche, sur ta souche. Mets-en là. Je vais garder sur ta souche. C'est ça, bravo. Continue, mets-en un peu partout. Sur ta souche, là. Sur ta bûche, sur ta souche. Mets-en encore. Garde, il en manque. Ouais, on va monter, qu'est-ce que tu fais aussi? Mets-toi par là. Viens par ici. Viens par ici. C'est quoi? Attends. Viens par ici. Regarde, elle manque. On pourra tout. Non, pas là, on s'occupe de là. C'est beau. Okay. Ouais, on va le. Ah, bravo! On va arrêter de m'en mettre. Ouais. Un petit peu, on va la garder pour tantôt. On va la remettre là. Là, tu vas mettre ton liquide. Il faut t'en mettre partout sur ta souche.
Attends, un petit peu. Non, pas là. On va la mettre. Attends. Avant, on va mettre. On a oublié ça. On va mettre notre sel. C'est pas grave. Je l'ai dans ton bouchon. On va mettre du sel aux algues. Ouais. On met notre sel aux algues. OK, vas-y. Verse-le là-dedans. Là. Là, on l'a pas montré à la caméra, mais j'ai fait beaucoup de trous sur la souche. J'ai fait des stries pour que les minéraux rentrent dans la souche de sel. J'ai fait des trous avec ma perceuse aussi un peu partout pour que les minéraux ils rentrent bien dans le bois. Pour aider Lucas. OK, on en met là. Wow. C'est pas grave. OK, on continue. C'est bien. Fais bien ça. Là, on va continuer. Tu vas mettre ton. Attends. Là, ah, faut que tu finisses ton sel. Mets-le tout là. Oui, bravo. OK. Puis là, tu vas mettre quoi? Bon, faut pas jeter les sacs à terre, hein? Tiens. Là, tu vas verser ça doucement partout. Doucement, Coco. Doucement. OK, c'est bon. Encore là. T'en as oublié, là? Je sais. J'en ai mis un petit peu partout. C'est sûr que la technique n'est pas aussi élaborée qu'un pro staff, mais au moins. L'important, c'est que le jeune ait du plaisir à faire ce qu'il fait et comprendre aussi un peu pourquoi il fait. Parce que, attends-moi. Oui. Non, OK. Donc, on va finir ta poudre. Finis ta poudre. On met de la poudre. C'est beau. C'est... J'ai mis la poudre là parce que... OK, c'est bien. La poudre de monsieur. Là, ça, la saline de Lucas est terminée. Fait qu'on va finir un petit peu avec la jam. Oh, on, papa, il en a gardé un petit peu pour Lucas, pour sa saline. Donc, on se revoit une autre fois. Puis, passez du bon temps avec vos enfants, c'est important. La relève. C'est bye.